Il y a très longtemps que je n'avais pas fait ça pour une vidéo haul livre. J'ai combien de livres à présenter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 livres. J'ai acheté 8 livres. C'est-à-dire, ce matin, oui, je suis allée à Leclerc. Je suis allée avec, je vous avais dit, avec mon système d'enveloppe, faire des économies à chaque fin de semaine, fin de mois, tout ce que j'ai pas dépensé, hop, je le mets de côté dans mes épargnes pour les économies. Dans ces épargnes et économies, chaque fin de semaine, j'ai des pièces. Et tout ce qui était les pièces de 1 euro et puis les centimes, je les mettais dans une tirelire. Donc depuis octobre, j'ai cumulé 89 euros et 60 des poussières, centimes à peu près. Je suis allée du coup ce matin à Leclerc parce que c'était sa tirelire, elle me servait à ça. Je suis allée à Leclerc, aller dans une borne où on peut échanger la monnaie et on récupère un bon d'achat. Et du coup, j'ai fait ça et j'ai eu mon bon d'achat de 80 euros, 60 des poussières. Alors après, il y avait très longtemps que j'étais pas allée à Leclerc. Bon, le Leclerc où je suis allée, il est à Valence. C'est un hypermarché. Mais j'y vais rarement. J'y vais très rarement parce que moi, quand je fais mes courses, je fais plutôt dans ma commune de résidence, mes courses alimentaires. Et je vais très rarement. Ça faisait plus d'un an que j'étais pas allée. Et à la fois où j'étais allée, l'espace culturel se trouvait dans le grand magasin. Donc, moi, je pensais, c'est acheter, dans ces 89 euros, une partie, acheter quelques livres de coloriage, et faire la différence, faire quelques courses, peut-être acheter à manger pour mes chats et tout ça. Et quand je suis arrivée, ils ont tout réagencé, ils ont fait des travaux, apparemment, c'est en travaux depuis 6 mois, ça, j'étais pas au courant. Et du coup, l'espace culturel, ils l'ont sorti de la grande partie, ils en ont fait un magasin à part, une boutique. Du coup, mes 89 euros et des poussières, parce que moi, c'était quand même mon but premier de ces pièces, c'était vraiment pour me réserver pour des livres de colo, mais pas autant. Mais du coup, là, j'avais pas le choix parce que il fallait le dépenser à une seule caisse. On pouvait pas le diviser. Alors, la prochaine fois que je ferai ça, ma monnaie, je la préfère en deux fois pour avoir deux bons d'achat, un pour le grand magasin et un pour le colo. Du coup, là, j'ai dépensé pour... alors, j'en ai eu pour 90 euros et des poussières de livres. Alors, j'ai eu 89 et puis apparemment, j'avais une carte de fidélité. Alors, comme j'y vais jamais, mais je savais pas. Et j'avais des sous dessus, donc ils ont pris la différence. Du coup, ça m'a rien coûté. Voilà la petite histoire. Donc, j'ai acheté 1, 2, 3, 4. J'ai acheté 7 livres et ils m'en ont donné un à la caisse. Du coup, j'ai 5 livres hors mystère à vous présenter et 3 livres mystères. Alors, on va commencer par le hors mystère. J'ai acheté le Terre Enchanté qui est fait par Chazi Panagiotou, qui est la même illustratrice qui a fait les Cercles de la Vie. Alors, on l'a pas tant vu que ça, celui-là. Alors, Cercles de la Vie, c'est vrai que je suis pas trop allée. Je suis en train d'en faire un. Mais quand je feuillette le Cercle de la Vie, il me tente plus. Je pense que quand je l'ai acheté il y a 2 ans, j'étais pas trop prête pour faire ce style de colo, mais maintenant je me sens. Alors on va regarder le Cercle Terre Enchantée. Alors c'est en édition Marabout. Hein. Voilà. Ah ben là, il est en recto, donc on peut faire du feutre à alcool, ça serait peut-être pas mal. Alors on va reprendre le début. Hop. Donc voilà, je vais vous montrer rapidement. Et celui-là, voilà, donc c'est Terre Enchantée. C'est... Après, on retrouve le même style
que le soir d'avant. Voilà, je vous montre. Pas si vous voyez bien. Après, il y a d'autres livres, j'irai plus vite parce qu'on les connaît, hein, vous les connaissez. Il y en a un autre que vous connaissez peut-être pas bien. Après, les autres, vous les connaissez tous. Hein. Voilà. C'est sympa. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de détails. Mais après, avec les traits, tout ça, elle marque les ombres aussi. Donc, c'est pas. Moi, je suis. Comme je vous dis, je suis en train de faire un cercle de la vie et je m'y plais à le faire. Donc c'est pour ça que le fait d'avoir ressorti le cercle de la vie, quand j'ai feuilleté celui-là, ça m'a moins. Je me suis dit, allez, hop, je le prends. Et puis, il y en avait un autre, Mandala Nature, du même auteur, mais ça me disait moins. Celui-là, quand je l'ai feuilleté, il m'a beaucoup plu. Après, celui-là est. Il y en a des plus gros, mais celui-là, il doit être assez rapide. Même s'il y a beaucoup de détails, ça doit se faire assez rapidement. Et après, c'est vrai, voilà. Celui-là, par rapport au cercle de la vie, il est en recto. Donc, je pense que. Après, c'est assez détaillé petit, mais on peut faire un feutre à alcool. Puis, papier, là, il est bon, hein. Je pense que. Ça me plaît bien. Du coup, j'aurai plein de livres à commencer. Je vais me donner l'été pour les commencer. En tout cas, là, j'ai acheté pratiquement autant que l'année dernière. Ça, il est sympa, celui-là. La muraille avec le pan, là. Et puis derrière, il y a des planètes. Ça, il est sympa, celui-là. Une bougie. Des serpents, des insectes. Là. Elle me plaît bien. Ah, ça, c'est un œil. Un œil avec des éléments. Là, oui, c'est la forme d'un œil. Hein. Et c'est marrant parce qu'elle y met des éléments, mais qui font pas. Vous voyez, dans les ailes, il y a des sapins, la montagne et tout. C'est marrant quand la façon dont elle fait ça. Après, bon, tous les livres que j'ai, bon, je les ai achetés à Leclerc, mais je regarderai si je trouve les liens sur Amazon, pour ceux qui ne peuvent pas aller en magasin. Je vous les mettrai en commentaire si vous voulez les commander. Après, c'est des liens partenariat, donc si jamais vous passez par ces liens, bon, après, vous n'êtes pas obligé, hein, ça me fait quelques petits sous. Voilà. Allez, hop. Et puis bien, des signes et tout avec l'eau qui sort du cadre. Et voilà. Voilà pour le Terre enchantée. Après, j'ai. Alors, celui-là aussi, on ne le voit pas beaucoup. C'est le Pays des Merveilles de Peggy Neal, Marabout, Carnet fantastique et livre de coloriage. Alors, celui-là aussi, on l'a pas. Alors, je ne sais pas de quand il date. Je regarde là. Il a été édité en mai 2022, donc il a déjà un an. Bon, on l'a pas beaucoup vu. Enfin, de la fantaisie et tout, mais et en même temps un peu de nature. Hop, je vous montre. Après, là, il est plus simple que le livre précédent. Hein. Hop. Je vous montre. C'est joli. Ça ne doit pas être compliqué. Ça, on peut le faire. Non, pas au feutre alcool. C'est en recto. Après, c'est des traits simples, mais je pense qu'une fois colorié, ça peut être très joli. Je vous montre. Ah, mais attendez, c'est mal. Je ne sais pas si vous voyez bien. Si. Attendez, si je vous montre comme ça. Voilà.
C'est marrant, il y a moitié fond noir et moitié. Et en plus, le fond noir, il est en bas. C'est marrant. Vous voyez, c'est assez fantaisie. Là, il y a plein de fruits. Puis pareil, c'est le papier marabout. Là, maintenant, marabout, ils font du bon papier. Donc, c'est sympa. C'est marrant qu'on ne l'ait pas beaucoup vu sur YouTube, ce livre. Après, j'ai regardé là-bas, ils avaient les Kerberosan, ils avaient Mythomorphia, ils avaient les deux derniers, mais les deux derniers, ils ne m'ont pas tenté. Alors, je ne les ai pas pris. Puis au départ, je voulais et voir s'ils avaient les quatre saisons de Disney, mais ils ne l'avaient pas. Parce que je voulais le feuilleter, j'étais tentée peut-être un peu de le prendre, pourtant Disney, j'en prenais jamais, mais ils ne l'avaient pas. Et pareil, ils n'avaient pas le mystère, les saisons. Pareil, j'étais partie aussi pour le prendre. Et voir aussi s'ils avaient la nouvelle édition du mystère Looney Tunes, mais ils l'ont pas. Voir comment ils sont imprimés les numéros parce que l'édition première elle est pas bonne. Alors comme moi dans mes enveloppes là j'ai des enveloppes coloriage, je me dis un jour quand elle sera un peu montée, pour le moment il n'y a que 20 euros parce que c'est là-dedans que je me sers pour acheter des Posca ou des trucs comme ça. Un jour quand ce sera un peu monté, j'irai voir un jour à la Fnac à Valence quand je suis au boulot à Valence, parce que je suis pas très loin. Voir si qu'est-ce qu'ils ont. C'est aussi ils ont un rayon coloriage. Surtout les quatre saisons de Disney, comme je prends jamais de Disney. Après, quand je vois l'écolo, je me dis c'est des Disney, mais il y a des scènes et tout, donc c'est moins. Il n'y a pas que axé sur les personnages. Alors, je me dis pourquoi pas, mais je voudrais le feuilleter avant pour me dire est-ce que je le prends ou pas. Ah là, il y a les montgolfières. Voilà. Ah, celui-là. Ça, pas là, on peut faire avec du stylo gel. Faire plein des petits éléments avec du stylo gel. Ça peut être donner des trucs. Ah, ça, c'est rigolo, ça. Les singes, les guirlandes dans un truc. Ah, celui-là, il y a plus d'éléments. Là, celui-là, il va être plus long à faire. Et pas mal. Hein. Quand je l'ai feuilleté, il m'a plu. Hein. Et voilà. Très bizarre qu'on n'ait pas. Après les deux autres livres, on les a vus et revus, donc on ira plus vite. Hein, parce que moi, parfois, je suis toujours un peu en retard dans l'achat de mes livres. Bien. Voilà. Donc c'est le pays des merveilles de Peggy Neal. Voilà. Très simple. Alors pareil, je regarderai si je trouve un lien Amazon et je vous le mettrai. Alors après, les deux livres suivants sont connus. C'est les deux livres de Paul Brun. Je ne les avais pas. Alors j'en apprends par les ordres de sortie. C'est Animaux des bois qui est sorti l'année dernière. Alors celui-là, je pense qu'on va aller vite parce que tout le monde le connaît. Tout le monde, beaucoup. Pareil, c'est toujours Marabout. Voilà. Donc, voilà, donc c'est les animaux des bois. Donc, c'est tout ce qui est nature, animaux. Voilà, bon, je suis allée assez vite. Après, peut-être pour ceux qui. Je peut-être aller pas trop vite parce que celui-là, il est sorti l'été dernier, je crois, il me semble, au printemps dernier. Et ceux qui commencent peut-être le colo, là. Donc, il n'y a pas longtemps, il y a moins d'un an,
Ils ont peut-être pas suivi, parce qu'il y en a, ça, beaucoup de colocopines l'ont présenté sur leur chaîne au moment de la sortie. Il a eu beaucoup de succès. Ah, mais peut-être il y a des nouvelles abonnées qui n'y a pas longtemps qui sont dans le colo, donc ils ne l'ont pas trop vu sur les chaînes. Donc je vous montre quand même un petit peu. Après, voilà, c'est la nature, hein. Un dessert, là. Puis je trouve que c'est tellement important en ce moment de colorier, de mettre en avant la nature, les animaux, parce que nous, les humains, on est en train de tout bousiller et que beaucoup de ces animaux, ben, sont en train de disparaître, même dans nos contrées, hein, dans nos campagnes, à nous. Hein. Il n'y a pas besoin de penser qu'aux animaux qui sont à l'autre bout de la planète, comme les félins, les tigres, les lions, les ours, le polaire et tout. Dans nos campagnes, on a plein d'animaux qui sont en train de disparaître parce que nous, les humains, on est en train de tout bousiller. Par égoïsme, voilà. Sans penser à eux qui, eux, sont des victimes innocentes. Donc je me dis, c'est tellement. Voilà. Moi, colorier la nature, mettre en valeur tout ça. Voilà. Castor. Petits papillons, petits lapins, les lièvres. Marrant parce que c'est des trucs qui sortent de leur corps. Ça, on dirait des perdrix ou ça, mais les perdrix, ça vole pas. Oh, des poissons comme ça dans la forêt. C'est rigolo. Les rapaces. C'est quoi? C'est des chats sauvages ou des lynx. Des sangliers. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est pas les caribous, les trucs, les animaux là qui sont du Canada. Les blaireaux. Ça, quand j'ai sur la route à Valence, j'en crois souvent le matin, écrasés. Des blaireaux écrasés. Ça, quand je vous dis, nous les humains, on ne fait pas attention. Les renards. Ah, c'est mon côté ardéchois, c'est châtaigne. Châtaigne. Les castors ou les. Comment ça s'appelle? Et voilà. Ah, bah tenez, il y a les noms là. En plus, c'est cool. Papillon bécaine. Tortue d'Hermann. Voilà. Et après, j'ai pris l'Amazone. Alors, celui-là, le plus récent. Là aussi, hein, c'est un hommage à la nature qu'on est en train de bousiller aussi. Hein. Alors l'Amazone, je vais le montrer plus rapide, il est plus récent, donc je pense que les gens l'ont plus en tête. Pareil, c'est toujours l'édition Marabout, le papier, il est très bien. J'ai un peu plus vite celui-là parce que c'est un peu plus récent. Le poisson. Que ça, c'est les cacatoès, ça, c'est pas ça. Des rapaces. En Amazon, il y a des rapaces, peut-être. Après, je pense que comme le livre précédent, elle a mis le nom des espèces à la fin. Donc, vous voyez, il y a des fleurs qui sortent de l'animal. Hop,
pas si vous voyez bien. Il y a longtemps que je n'ai pas présenté de livre, j'ai plus l'habitude de présenter des livres. D'habitude, j'achète un livre de temps en temps, du coup, je vous le mets dans mon vlog. Mais là, comme j'en ai acheté, il y a longtemps que je n'en ai pas acheté autant. J'ai l'impression que j'en reviens à ma première année de colo. Après, je pense que je vais me calmer parce que. Après, là, c'est des sous que je n'ai pas sorti, entre guillemets, de mon salaire mensuel. C'est des sous que j'ai économisés. Donc, d'un côté, ça ne me fait pas de trou dans mon budget. Ça m'a dématérialisé, elle commence à devenir bien lourde. Donc là, on repart à zéro. Puis on verra au mois de décembre combien j'ai. Coup, pareil, comme je vous dis, cette fois-ci, je ferai deux bons d'achat. Ce sera peut-être aussi pour mes achats pour le repas de Noël. Pas pour mes achats de Noël, parce que j'ai. Alors, après. Alors, ça, c'est un qui m'ont donné à la caisse. Je sais pas pourquoi ils me l'ont donné. Ils m'ont dit, parce qu'il m'a dit, vous avez acheté que des livres de colo. Je dis, bah oui. Il m'a dit, bah tenez, je vous le donne. Je vous donne ça. Après, je lui ai dit, bah pourquoi? Il m'a dit, bah on n'a pas beaucoup, alors on les donne à ceux que ça pourrait intéresser. Donc, apparemment, c'est sur fond noir. Félin, carnet de voyage, carnet de coloriage. Après, je pense qu'on peut les faire au feutre à alcool. Ça peut être assez rapide. Je vous montre. Hein. Le papier n'est pas très épais. Même s'il se prend, c'est pas du marabout. Si c'est du marabout. Je pense que ça, c'est vraiment à faire en mode détente. En plus, ça a l'air de se détacher. J'avoue, je ne l'aurais pas acheté. Hein. J'ai la preuve, je ne l'avais pas mis dans mon. Mais. Ça, ouais, ça peut se faire au feutre à alcool. Wow. Parce que c'est vraiment. Il n'y a que l'animal avec des petites fioritures. Il n'y a rien autour. Peut-être c'est pour ça qu'ils n'arrivaient pas à les vendre et que du coup ils les distribuent. Bah, je vous le montre quand même, hein, parce qu'ils auraient pu, parce que ça, combien là, ce truc? Ah non, c'est gratuit. Mais. Je sais pas combien ils sont, je crois que doivent être pas loin de 10 euros ça. Ils se détachent. Hein. Donc, j'avoue, je n'aurais pas acheté. Mais je vous montre, il y en a que ça intéresse. Hein. Ouais, ça peut se faire au feutre à alcool. Ah, il est mal, les yeux, là. Après, peut-être, une fois fait mise en couleur, c'est peut-être, c'est pas vilain, hein. Ça peut peut-être bien ressortir, hein. Parce que là, c'est quand même détaillé, là. Et les yeux, faut quand même retrouver, si on fait tous les détails et tout, ça doit peut-être. Bon, celui-là, il est plus facile, mais il y en a certains. Faut que j'essaye. Enfin, j'essaye d'en faire un et puis je vous dirai. Enfin, celui-là est plus facile. Là. Allez, on va aller vite. Hein. Allez, on va vite. Après, pareil, je vous le mettrai quand même en lien partenaire, en lien Amazon si ça vous intéresse. Il y en a certains qui sont intéressés par ce genre. Ça, en stylo gel, ça peut être faisable si ça intéresse certaines personnes. Hein. Après, voilà. Je vous le présente quand même parce que. Bah ça, c'est des petits. Voilà. Voilà. Comme je vous dis, je ne l'aurais pas acheté par moi-même et apparemment, ça se détache. Alors, en livre mystère. Alors, j'ai des récents et j'ai un qui est sorti ancien, mais moi, je suis toujours à la ramasse. Il ne me tentait pas à l'époque et je me suis dit, on va peut-être tenter parce que c'était des livres hyper détaillés. Alors, ben celui-là, c'est le Nature. Je crois qu'il est sorti il n'y a pas longtemps. Il est sorti en mai. Donc, celui-là, je ne suis pas très en retard. Mais il me tentait bien. Après, j'avais hésité. Moi, je voulais le saison, là. Tout ça, je ne l'ai pas trouvé. Et après, j'avais hésité. J'avais hésité à prendre le portrait. Portrait. Alors, saison, il n'avait pas. C'est dommage. Ils n'avaient même pas le dernier grand classique qui est sorti. Là, je suis en train de regarder. Ils avaient le trompe-l'œil, la méchant contre gentil. J'avais hésité à le prendre aussi. Mais bon, mystère, j'en ai pas mal. Donc, alors, le nature, je sais pas comment. On va. Alors, je vais regarder comment c'est.
Ça a l'air détaillé, mais je ne suis pas regardée. Un petit peu, si, ça a pas mal détaillé quand même. Mais c'est bien imprimé. Il y a pas mal de couleurs. Alors, si je. Ceux qui ne veulent pas voir les solutions, je vous invite à. J'essaie. Bah, à fermer les yeux. Ou à passer un peu plus loin jusqu'à la conclusion, qui ne va pas durer très longtemps. Voilà. Bah, je vous montre. Je vous montre rapidement, hein, parce que je pense que. Après, il a des belles couleurs, hein, quand on voit les solutions. Voilà. Donc là, après, encore un récent. Hors mystère, j'ai les fleurs. Alors j'en avais un, les tomes. J'avais celui-là. On va dire c'est le tome 1. Du coup, j'ai pris le tome 2. Voilà. Parce que moi, j'aime bien mes fleurs, là. Mon tome 1. Le tome 2 il me tente, celui-là aussi je crois qu'il est sur... Et pareil là j'avais regardé en hors mystère ils avaient les arbres du monde, j'avais hésité à le prendre mais je l'ai pas pris. Voilà, sinon en mystère j'avais pas grand chose en or et Disney plutôt. Et celui-là il par choix je crois qu'il est sorti en mai aussi, donc il est assez récent. Et pareil, alors celui-là il est moins détaillé que les Disney mais moi ça me va bien. Après, il y a si bon, après il y a moins de couleurs. Voilà. Après, je vous montre rapidement. Après, c'est des fleurs, hein. Je vous le montre. Voilà. Ah bah ça y est, bon. Donc, je vous montre assez rapidement. Hop. Hop. Je vous montre, voilà. Et après, le derrière, celui-là, c'est celui-là que tout le monde a, qui a fait beaucoup de succès à l'époque. J'ai pris les princesses de Disney. Alors à l'époque, ça, truc trop détaillé, ça me disait non, non, je veux pas me casser les yeux. Puis après, je me suis dit, là, je suis passée, j'ai pourquoi pas. Donc il est en février 2021, hein, je suis encore en retard. Je regarde là. Ils avaient le chien et le chat. Après, voilà, c'est qu'il y a beaucoup de détails. C'est assez petit quand même. Ah, j'aurais dû regarder. Après, j'ai une loupe. C'est un peu petit. Voilà, j'avais hésité. Il y a beaucoup de couleurs. C'est assez petit. Je me dis. Après, j'ai une loupe. Mais après. Après. Si j'arrive à peu près à lire. Mais c'est quand même lisible. C'est petit, mais c'est quand même lisible par rapport à. À Looney Tunes, c'est quand même voilà. Donc, est-ce que je vous montre les solutions? Je vais vous montrer. Alors, je vais pas les commencer tout de suite. Je vous montre pour ceux qui l'ont pas. Après, il y en a beaucoup qui les font crayons de couleur. Moi, je suis pas fan des crayons de couleur. Je vais voir si j'arrive à les faire au feutre. Puis sinon, on verra. Crayons de couleur. Voilà. Voilà pour mes achats. Mes achats. Du coup, j'ai fini la présentation de mes livres. Je pense que je vais me calmer après. Seul truc que je dois encore acheter, c'est le tome 2 de Vols, là. Vols, là, que j'aimerais acheter. Mais je crois après, je vais me calmer un petit peu. Après, il y a le Looney Tunes tome 2 que j'aimerais prendre, qui sort au mois d'août, septembre. Mais cette fois-ci, la dernière fois, je l'avais acheté à Amazon. D'habitude, les mystères, je les achète en magasin. Cette fois-ci, j'irai l'acheter en magasin et je regarderai comment il est imprimé. Si je trouve le Looney Tunes tome 1 meilleur imprimé, peut-être je le prendrai. Puis là, je sais pas, je tenterai de le vendre ou je verrai. Voir si quelqu'un dans mon entourage veut tenter de colorier de manière. Voilà. Voilà. Et puis, dans les livres, ouais, ce qui me tenterait encore, celui-là. Et après, éventuellement. Est-ce que je l'achète cette année? Le Forest Kingdom de Dalla Carlson.
Mais après, sinon, je crois que je vais me calmer dans les achats de livres. Après, alors nous sommes le 29 matin, il doit être à peu près 10 heures. Là, je suis en week-end parce qu'en début d'après-midi, je pars pour l'Alsace parce que j'ai un mariage. Demain, je prends la route. Du coup, je travaille pas, mais ce matin, je suis allée tôt à Leclerc parce que j'avais d'autres courses quand même à faire. Autre. Dans le même quartier, je devais pas aller à Leclerc, mais dans la même zone, j'avais deux, trois courses à faire pour mon week-end. Et puis faire le plein d'essence. Et puis du coup, je me suis dit, je vais profiter parce que moi, dans mon but, quand j'ai fait ma dernière en octobre, j'ai dit, je vais jusqu'en juin. Là, on finit le mois de juin. Voilà, alors on est, du coup, tout le week-end, je ne suis pas là. Par contre, comme on arrive à la fin du mois, pour ceux qui le souhaitent, je vous l'avais dit dans mes vidéos d'avant. Je remets en place le partage de ma vidéo coloriage terminé. Je remets en place le partage avec vos coloriages. Donc, si vous souhaitez m'envoyer des coloriages que vous avez réalisés au mois de juin, vous avez jusqu'à. Bon, après j'ai mis samedi, mais je suis pas là. Alors, à la limite, je peux vous donner jusqu'au 2 juillet. Alors, je devrais arriver dans l'après-midi. Alors, je vais mettre 2 juillet midi. Voilà, comme ça, si j'ai le courage, je le ferai peut-être le soir. Mais sinon, je le ferai en début de semaine, ma vidéo, et j'intégrerai vos colos dedans. Pour les envoyer, je mettrai mon adresse mail, dans les commentaires. Et puis du coup, pareil, la semaine dernière, j'ai pas fait un live dimanche en fin de journée parce que j'étais pas dispo. Et là, je suis pas sûre de pouvoir en faire parce que selon à quelle heure j'arrive, si je suis fatiguée, parce que j'aurais fait 5-6 heures de route avant. Après, voilà. Donc sur ce, oh, je vais pas blablater plus. J'ai un vlog en train de se faire. Donc là, vous aurez cette vidéo aujourd'hui. J'ai vite faire le montage pour la charger pour que vous l'ayez aujourd'hui. Allez, comme ça, après je m'en vais. Et puis voilà. Et puis après quoi, la semaine prochaine, vous aurez vidéo coloriage terminé et un vlog. Voilà, sur ce, à plus et bisous bisous.